Et c'est l'heure de notre face-à-face du jour avec Olivier Ferrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président fondateur du think tank Terra Nova, bienvenue. Merci. Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes eurodéputé, vice-président du Modem, particulièrement en charge des questions économiques, également ancien directeur du CREDOX et le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Bienvenue à vous deux, messieurs. On va commencer par le fait du jour, le fait de la semaine, hein, j'ai envie de dire. Huitième jour demain de cette grève des agents de sûreté dans les aéroports. Et Nicolas Sarkozy qui a envoyé en mission ce matin Claude Guéant, encore Nathalie Kosciusko-Morizet, pour accompagner les policiers qui vont prendre le relais. Cette mobilisation gouvernementale, elle est justifiée? D'abord, je pense que le gouvernement et le président de la République n'ont pas raison de dire que c'est une grève privée, comme il existe des dizaines et des centaines de grèves privées. C'est vrai que c'est une entreprise privée, mais les aéroports, je sais que ce n'est pas aujourd'hui considéré comme les gares et comme les trains. Néanmoins, je pense que c'est un statut un peu particulier. Et du coup, moi, je n'arrive pas à la même conclusion qu'eux. J'arrive à la conclusion qu'il faut quand même s'interroger sur le fait de savoir si c'est pertinent de considérer que le filtrage de sécurité soit des fonctions, qui sont même des fonctions très importantes, qui soient confiées à des sociétés, qui sont des sociétés dans lesquelles le dialogue social a l'air d'être difficile, puisqu'il n'y a pas eu d'alerte sociale avant cette grève. Et c'est ça ma réflexion. Et je pense en tout cas que pour l'avenir, il faut qu'on réfléchisse à cette question. Si la sécurité aérienne est si importante que ça, et en tout cas qu'on impose qu'il y ait une alerte sociale qui permette de faire en sorte que l'on démine les choses avant qu'on se retrouve dans un blocage comme celui-là. Olivier Ferrand, sur ce point ? Tout à fait d'accord. La privatisation des services de sécurité dans les aéroports date de 1996. C'était la grande époque de la libéralisation, tout craint, des grands services publics. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que le transport aérien est un service public, encore en France. Un service public, donc il y a des obligations de service public. L'une d'entre elles, c'est la continuité du service. Évidemment, il faut que ce soit parfaitement soit articulé avec le droit de grève, évidemment. C'est toute la question qui se pose là. Mais enfin, il y a quand même une obligation de continuité de service. Il y a une deuxième obligation, c'est une obligation de sécurité. Et de ce qu'on entend et de ce qu'on peut en juger quand on est client de transport aérien, c'est que malgré tout, les services de sécurité ont l'air de s'être franchement dégradés par rapport à ce que faisait la police de l'air et des frontières, la PAF, avant, dans ces zones-là. Donc, ma réflexion va dans le même sens, qu'au moins, on encadre ces agents de sécurité qui, par des policiers présents sur le site et qu'on permette la continuité du service. Plus largement, quand même, est-ce qu'il faut un service minimum dans les aéroports, comme c'est le cas actuellement Je pense qu'il faudra un service minimum dans les aéroports. Ça me semble parfaitement fondé. De même que je crois qu'il faut qu'au moment des fêtes de fin d'année, les familles puissent se retrouver. Donc le vous donnez raison à Nicolas Sarkozy, non, en quelque parce que sorte, la, la façon, dit, la façon dont otage, c'est là. Fait, la façon dont c'est fait, enfin, vous voyez bien, enfin, trois ministres, faut-il trois ministres? Qu'est-ce que ça veut dire? Trois ministres qui se déplacent, paraît-il, c'est votre journal qui le disait, fait, pour rester dix minutes, images, pour rester sûr, dix ouais. minutes. Vous voyez bien que là, il y a une mise en scène qui est une mise en scène politicienne que je trouve c'est... tout à fait à côté de la plaque et très regrettable. Olivier Ferrand, c'est une instrumentalisation de la grève, donc. Pareil. C'est ça, pareil. Et alors, ça nous donne l'occasion de changer de sujet. On va revenir évidemment sur cette crise qu'on a vécue toute l'année et cette question autour de l'euro. Alors voilà, la crise de la dette, on est probablement qu'au début. Le JDD titrait, je vous le rappelle, le 27 novembre, l'euro va-t-il passer Noël? Vous vous souvenez forcément de cette une qui, du coup, a été très concrète. Là voilà, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, ce couple dont on a tant parlé. On est un mois plus tard. Est-ce qu'on a, en gros, passé le chaos ou est-ce qu'il est juste devant nous? Non, on n'a pas passé le chaos. Néanmoins, je suis convaincu que... tout le monde veut garder l'euro, donc qu'à chaque fois qu'on se rapproche un peu du précipice, on se dit finalement on va quand même sauver l'euro. L'événement important, c'est tout de même hier où on a vu, même si c'était pas directement sur l'euro, que la Banque Centrale Européenne peut intervenir massivement. La solution est dans l'intervention très forte de la Banque Centrale Européenne avant qu'on fasse quelque chose d'autre qui est très important au niveau politique, mais le pompier est là. Et puisque c'est la rétrospective de l'année, je voudrais dire à quelques jours, je sais pas si vous avez remarqué, mais à quelques jours de l'anniversaire des 10 ans de l'euro. C'est vrai. Puisque c'était en 2002. 2002, donc à quelques jours, l'euro va-t-il atteindre un âge à deux chiffres? Mais en tout cas, l'erreur de l'année, voilà, et je crois qu'il faut le dire maintenant, c'est qu'au début, il fallait faire quelque chose de radical, qui était la solidarité à l'égard des dettes, ce qu'on appelle l'intervention de la BCE en dernier ressort. On ne l'a pas fait. Tant qu'on ne le fera pas, je crois qu'on va passer comme ça des moments qui seront en permanence des moments difficiles. Et je crois que par rapport à l'opinion, c'est terrible, parce que
l'opinion ne sait plus croire, Et puis alors le triple A. On va y venir. Attendez, juste un mot d'Olivier Ferrand et je vous interroge évidemment sur le triple A et les agences de notation. Olivier Ferrand. Je crois qu'il faut, par rapport au titre du JDD, il faut essayer de remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de crise de l'euro-monnaie. La monnaie européenne, elle est même, on dit qu'elle est toujours trop élevée, autour de 1,3 $. Elle n'est pas en soi attaquée, elle n'est pas en soi menacée. Si la Grèce fait faillite, elle peut très bien faire faillite au sein de la zone euro. Ouais. Et garder la monnaie euro, il faut une décision politique, il faut que des populistes, il faut que Marine Le Pen arrive au pouvoir en France pour qu'une décision politique fasse sortir la France de la zone euro. De même en Grèce. L'euro n'est pas en jeu, contrairement à ce que raconte le Wall Street Journal ou des banquiers anglo-saxons mal intentionnés. Deuxième point, il y a évidemment une crise de la zone euro, des pays de la zone euro, une crise des pays de la zone euro. Pourquoi est-ce qu'on a une crise sur nous? Parce que nous avons des défaillances de gouvernance. Il nous manque une gouvernance de la zone euro, le ministre des Finances, pour faire très simple, et il nous manque des instruments financiers, c'est ce que vous disiez à l'instant, la monétisation de la dette. Troisième élément, en réalité, même quand on aura réglé le problème de la gouvernance de la zone euro, on s'apercevra que la vraie crise est ailleurs. La crise n'est pas européenne, la crise est occidentale et c'est une crise de la dette publique. Tous les pays occidentaux et l'Europe plutôt moins qu'ailleurs est en surendettement et la solution à tout la crise actuelle, c'est un assainissement de nos finances publiques et aller vers le désendettement. D'accord. Mais c'est vrai plus pour les États-Unis et le Japon d'ailleurs que pour l'Europe. Robert Rochefort, vous parliez du triple A, moi je voudrais juste vous interroger sur cette phrase. Mario Draghi, nouveau président de la BCE, qui a dit cette semaine, les agences de notation, avant de parler du triple A, les agences de notation, il ne faut pas les surestimer dans cette crise. C'est vrai que les Français, dans leur ensemble, ont découvert les agences de notation cette année. On avait l'impression qu'elles faisaient la pluie et le beau temps. Il ne faut pas les surestimer. Attendez. D'abord, pour aller dans le prolongement de ce qu'on disait il y a un instant, la crise est une crise de nos pays. On est d'accord. Une crise... Et tout de même, permettez-moi de le dire, de l'incapacité des gouvernements, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, à avoir réglé ce problème depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire avoir continué la course à l'endettement public. Et c'est quand même très important de le dire. Maintenant, sur les agences de notation, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que les agences de notation, évidemment, il ne faut pas amplifier complètement leur rôle. Mais il suffit qu'une agence de notation dise qu'elle dégrade la note d'un pays, ou la note de n'importe quelle entreprise d'ailleurs, ou de n'importe quelle collectivité territoriale, mais la note d'un pays, pour que, aussitôt par un effet de domino, il y ait plein de gens sur les marchés financiers qui disent « je ne peux plus avoir de la dette de ces pays dans mon portefeuille parce que ce n'est pas assez sûr ». Et du coup, évidemment, ça crée le fait que cette dette est moins demandée, donc le taux d'intérêt est plus cher, donc on est dans ce qu'on appelle, c'est très technique, mais des prophéties autoréalisatrices, donc les agences de notation ont quand même, elles ont à la fois un rôle de thermomètre, donc elles nous disent vous avez fait des bêtises et il faut regarder, mais de l'autre côté quand même, elles ont également un rôle un peu d'amplification de la crise. Et juste pour terminer, quand j'entends dire que dans certaines agences de notation, il y a simplement deux collaborateurs, un senior et puis un junior qui étudie la dette de la France, je dis quand même que ce n'est pas sérieux. Donc à cet égard, non, je ne suis pas content du tout de cette situation des agences de notation. Évidemment. Alors Olivier Ferrand, d'un mot, parce que je voudrais qu'on ait sur un thème. Ce que vous venez de dire est tout à fait exact. La différence pour ce qui va se passer sur la France, c'est que les marchés ont déjà anticipé la baisse de la notation. Et donc, il ne va pas se passer grand-chose de plus parce que, autant les marchés provoquaient la crise, autant là, ils ont eu tellement peur lorsqu'ils ont dégradé la note des États-Unis, où le Trésor américain a décroché son téléphone en disant « Évidemment, si vous nous rejouez ce coup-là, vous disparaissez. On vous ferme. » Et vous avez une enquête de la SEC immédiatement sur Moody's. Donc, ils ont eu tellement peur que maintenant, ils sont à la remorque des marchés financiers plutôt qu'en anticipation. Je voudrais dire sur ce point, excusez-moi sur l'agence de notation. Il y avait une proposition portée en particulier par le commissaire européen français, Michel Barnier, qui était, dans certaines circonstances, de suspendre la possibilité pour les agences de notation de noter les dettes souveraines. Ceci n'a pas été accepté par les autres commissaires. Je trouve ça très regrettable. Alors on change de sujet, mais cette crise, forcément, elle pèse sur cette présidentielle 2012. C'est là-dessus qu'on va tout de suite. Alors évidemment, cette campagne, elle est dominée par cette crise, bien entendu. Pour revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui s'est passé ces derniers mois,
Bon, alors évidemment, Marine Le Pen, elle est vent debout contre l'euro. Elle veut absolument qu'on s'en passe. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle peut faire... On voit qu'elle stagne hein, un petit peu, mais elle n'hésite pas à jouer les héroïnes populistes. Ça peut être un 21 avril à l'envers. Écoutez, il y a quatre candidats, là. Je veux dire, à quelques jours de Noël, je crois que maintenant, la carte de la présidentielle est claire. Il y a quatre candidats qui sont dans le carré, Oui. Voilà. Donc, il y a évidemment Nicolas Sarkozy, François Hollande et François Bayrou et Marine Le Pen. Je veux bien qu'on parle de Marine Le Pen et qu'on se fasse peur avec Marine Le Pen. En réalité, il n'y a que trois candidats sur ces quatre qui sont réellement des candidats prétendants, comment dire, à l'élection présidentielle. Je souhaite de tout cœur que Marine Le Pen ne fasse pas, comment dire, la surprise qu'on a connue en 2002. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense aussi qu'il ne faut pas instrumentaliser la peur d'un effet Marine Le Pen pour dire comme je crains que ça se passe, parce que la tentation existera chez quelques candidats, ouais, de dire il faut voter utile tout de suite, oui, pour l'un ou l'autre des gros candidats supposés pour limiter Marine Le Pen. Je voudrais juste vous dire que je crois que le vote François Bayrou peut être aussi un vote utile contre Marine Le Pen. Olivier Ferrand, François Bayrou, Marine Le Pen, pour conclure, c'est vrai que ce sont François Bayrou, on le voit, il démarre très bien sa campagne. Oui, je pense que Marine Le Pen fait une offre politique radicalement nouvelle par rapport au FN de son père. Et la crise est passée par là. Oui, mais surtout que la réponse politique de tous les partis de gouvernement est fausse. Le néo-FN de Marine Le Pen est un parti qui se veut un parti de gouvernement. Elle présente un projet de gouvernement. Les médias commentent, vous avez une page entière dans Le Monde commentant les propositions pour gouverner du FN. C'est radicalement nouveau. La réponse politique, c'est de dire c'est pas vrai, c'est du répolinage de façade, on a mis quelqu'un d'avenant, mais c'est toujours des néo-nazis derrière. Je crois que c'est une erreur, que ce n'est pas ce qu'est en train de créer Marine Le Pen, ce n'est pas la façon dont vous réagissez les médias, et ce n'est pas la façon dont les Français le ressentent. Et donc, repousser Marine Le Pen passe par maintenant attaquer et démanteler ces propositions. On verra ça évidemment à partir de janvier, bien sûr, et vous reviendrez sur ce plateau pour en parler. Merci beaucoup Robert Rochefort, merci à vous Olivier Ferrand. On se retrouve nous demain à 19h. En attendant, c'est Olivier Marchal pour le 20h.